salut à tous, vous l'aurez compris avec cette intro et dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'une veste haptique, la Woodger Vest 3. Alors, vous le savez peut-être, hein, je vous avais fait une vidéo sur le MetaQuest 3, j'utilise la VR, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je n'avais jamais testé de veste haptique. Franchement, c'est assez futuriste, je trouve, comme objet. On se croirait dans Ready Player One. Et du coup, on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, si ça vaut le coup de dépenser autant d'argent pour cette Woodger Vest 3. Alors, pourquoi je vous dis autant d'argent? Eh bien, tout simplement parce que cette Woodger Vest 3, elle est vendue 586 euros. Oui, oui, 586 euros. Donc, c'est quand même un gros budget et... du coup, on va voir si ça vaut le coup de le dépenser dans cette vidéo ou pas. Alors du coup, cette veste, eh bien, vous la recevez dans un packaging plutôt sympa, plutôt soigné. Ça, c'est déjà agréable. On sent qu'on a mis le budget hein, quand on la déballe. Donc dans un premier temps, eh bien, vous allez découvrir votre veste, cette Woodger Vest 3, avec des finitions quand même plutôt soignées. On y reviendra après. Ensuite, dans la boîte, eh bien, vous allez avoir un petit manuel d'utilisation. Ensuite, eh bien, sur le côté, vous allez avoir une petite boîte avec les adaptateurs secteur pour recharger votre veste. Vous allez également retrouver une seconde boîte sur l'autre côté avec à l'intérieur un câble jack, on verra après à quoi il sert, un câble USB-C vers USB-C, une prise adaptateur USB-A vers USB-C et la prise secteur pour charger cette veste. Alors on va parler maintenant de l'installation de la veste. Bon, déjà on a pas mal de réglages, hein. Vous l'avez vu, ça s'enfile comme un gilet, vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est très simple à mettre, hein. Vous avez un petit clips ici, un clips au niveau de l'abdomen, et ensuite eh bien il va falloir connecter vos écouteurs à cette veste, parce que oui, vous êtes obligé eh bien d'utiliser des écouteurs, alors soit par Bluetooth, soit par câble en le branchant directement sur la veste. Vous avez vu au niveau du cœur là, ici vous avez un une petite interface où là vous pourrez brancher vos câbles pour le casque et autres objets. Donc une fois eh bien que vous avez installé votre casque, vous allez pouvoir installer l'application également. Il y a une application qui va vous permettre de gérer pas mal de choses, et au niveau de la veste eh bien vous allez pouvoir régler le volume et la puissance des vibrations, puisque oui, c'est tout l'intérêt de cette veste, c'est qu'elle va vibrer en fonction eh bien, de ce que vous écoutez, que ça soit du jeu vidéo, du cinéma ou même de la musique. Alors sachez que pour bien ressentir les vibrations, hein, il faudra quand même bien régler votre veste, eh bien, sinon ça vibrera dans le vide et vous ne sentirez pas grand chose. Et du coup, eh bien, là, lorsque vous allez mettre votre casque VR ou que vous allez vous mettre au volant de votre jeu de course préféré, ou tout simplement regarder un film, eh bien, vous allez ressentir beaucoup de vibrations. Alors moi, je m'attendais à beaucoup plus, même si c'est déjà puissant, je m'attendais un petit peu plus, mais globalement, c'est assez impressionnant la première fois. Pour la VR, eh bien, c'est vraiment un plus, clairement, parce que, eh bien, si vous jouez à un jeu de tir, là, comme je vous montrais au début de la vidéo, je jouais à Pavlov, pour ceux qui veulent le savoir, eh bien, vous allez ressentir les tirs que vous avez derrière vous, les tirs de face, sur le côté, et c'est vraiment assez cool. Et du coup, l'expérience est d'autant plus immersive grâce à cette veste. Pour ce qui est eh bien, de regarder des films ou écouter de la musique avec, honnêtement, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Alors, c'est rigolo une fois, mais j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt. Bon, l'intérêt pour moi, il est vraiment pour les jeux vidéo et encore plus pour la VR. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans vos jeux, eh bien, lorsque vous utilisez cette veste, c'est de baisser la musique du jeu, parce que sinon, vous allez avoir une vibration constante et ça va pas être aussi immersif que ce que ça devrait. Pensez bien à ça. Moi, pour ma part, eh bien, cette veste, je l'ai utilisée avec pas mal de jeux et je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée lorsque vous jouez à des FPS, parce que vous allez vraiment ressentir les balles, etc. Alors que sur un jeu de bagnole, c'est sympa, mais c'est pas pareil, c'est différent. Je sais pas comment l'expliquer, hein, parce que c'est des sensations un peu bizarres. Je peux pas vous les retranscrire vraiment, mais je trouve que sur des FPS, c'est quand même plus intéressant que sur d'autres types de jeux. Pour ce qui est du confort de cette veste, bah je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu rembourré. Franchement, les finitions sont vraiment exemplaires. On a vraiment quelque chose de qualité. Hein. On le voit quand on la déballe et quand on la met sur soi, c'est plutôt propre. Il y a pas mal de réglages et tout, donc c'est plutôt agréable à porter. C'est pas très lourd, je trouve.
trouve que le poids est bien réparti, parce qu'il y a quand même du poids sur la veste, hein, et globalement c'est plutôt bien réparti. Au niveau d'autonomie, eh bien ça va durer à peu près 7 à 8 heures suivant l'utilisation et la puissance utilisée. Il faudra 3 heures pour la recharger, la charge est un petit peu longue. De toute façon, par exemple sur le MetaQuest 3, on a à peu près 2 heures d'autonomie sur le casque, donc ça suffira largement. Il faut savoir que c'est compatible avec tout, il n'y a pas d'incompatibilité connue, en tout cas pas à ma connaissance, donc vous pourrez l'utiliser avec ce que vous voulez, donc ça c'est pareil, c'est plutôt cool. Alors pour le coup, est-ce que je pourrais vous conseiller d'acheter cette veste? Franchement, moi mon avis c'est que c'est vraiment dédié aux passionnés, vraiment quelqu'un qui est passionné par les jeux, surtout en VR, et qui veut vraiment aller jusqu'au bout de l'immersion. Donc si c'est ce que vous recherchez, eh bien oui, sans hésiter. Après, eh bien, si vous ne jouez pas à des FPS, que vous jouez à d'autres types de jeux, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseillerais, parce que je trouve pas que dans les autres jeux que les FPS, ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Par contre, clairement, eh bien, sur les FPS, pour l'avoir testé avec et sans, eh bien, quand je l'ai plus cette veste, il me manque quelque chose, quoi. Le jeu est tout de suite un peu moins sympa, moins immersif, donc ça apporte réellement quelque chose. Donc globalement, eh bien, une veste que je conseille aux passionnés, vraiment les gens qui ont le budget et qui veulent vraiment se mettre à fond dans la VR, parce que sinon clairement c'est un petit peu cher pour juste s'amuser 30 secondes. Donc sachez que si vous achetez ça, voilà, ça c'est un gros budget quand même, vous serez pas déçu, je pense pas, surtout si vous faites de la VR. Moi je trouve que c'est vraiment une plus-value sur la VR, sur le reste un petit peu moins. Et donc oui, je vous le conseille, mais avec quelques modérations quand même, parce que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. En tout cas, moi je suis assez content de l'avoir testé et maintenant je l'utilise en permanence quasiment. Vraiment c'est un beau joujou, on se croit vraiment dans le futur, dans Ready Player One. C'est assez cool. Donc voilà pour cette vidéo sur le Woodger Vest 3, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce genre de veste, ces vestes haptiques, ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous avez la Woodger Vest 3, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao !